Et voilà, prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch. Le 51e, finalement. Oui, ça, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein, finalement. Alors, comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf, les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder. Eh bien, Lelouch, moi déjà, je suis fan de ce qu'il fait. Donc, ce film, bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais il faut avouer qu'il faut connaître Lelouch. Parce qu'il y a deux autres films qui sont cités, L'Aventure et La Bonne Année. Donc, ça vient au fil de l'histoire. Donc, les personnes qui ne connaissent pas vraiment Lelouch se demandent où il va en arriver, puisqu'il y a quand même plusieurs époques qui sont reconstruites. Mais ça, c'est sa façon à lui. Donc, on est immergé, plus les minutes passent, plus on rentre dans le personnage de Cad et de tous les acteurs qu'il y a. Et c'est vraiment... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et son titre correspond par rapport à sa chanson, justement à toutes ces émotions qui sont enfouies et qui arrivaient à un certain moment, ben, on déborde et on peut péter les plombs. Hein. Et il suffit justement d'avoir peut-être quelqu'un qui est là à côté de vous et qui vous remet les idées en place et de refaire une autre vie. On passe à autre chose et la vie continue. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On a voulu faire une petite surprise atypique, un petit accueil atypique. Ça c'est sympa. On y venait, on vous a fait un cadre. Est-ce qu'il faut qu'on vienne dans le décor? Ah, ça serait vraiment un grand plaisir. Bravo. Bah, déjà de voir tous les petits détails qu'on vous a fait pour vous, tout ce qu'on a... Les trompettes. Tout. Il y a la trompette. Il y a tout. On voulait vraiment marquer le coup et voilà, vous faire... Bravo. On s'est dit vous allez sûrement dans... C'est un clairon, ça. Ouais. On s'est dit vous allez sûrement dans le cinéma et on voulait faire un accueil un peu atypique. Très bien, bravo. Pour marquer celui-là. C'est sympa. Pour marquer celui-là. Bon, on fait une petite photo. Oh là là là. Allez-y, prenez la pause, c'est pour vous, c'est votre décor. Non, c'est bah, voilà. Tiens, c'est... Allez, on y va. Allez, on y va. Très très bien, je me suis régalé. D'autant que j'ai revu des films de Lelouch récemment entre Arte et Canal+. Et donc je fais le lien avec effectivement La Bonne Année, avec Itinéraire d'un enfant gâté, etc. Et donc, ouais, plein d'idées, de scénarios, c'est formidable, hein, vraiment, d'avoir autant d'idées encore après 50 films. C'était absolument sublime. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a particulièrement plu ? Tout le film. Vraiment, c'est du bonheur. C'est du grand Lelouch. Donc, merci d'accueillir Claude Lelouch, accompagné donc d'un très très grand également. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ah, c'est beau, hein. Il est beau ce public, hein. Oui, ils sont m'avaient prévenu, hein. Ils sont contents, hein. Finalement, ils sont contents. Vous allez voir ce soir mon 51e film. Et ça fait vraiment 60 ans que je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma. Et si j'ai réussi à faire 51 films, c'est grâce à vous. Sans le public, je n'y serais pas arrivé. C'est vous les vrais producteurs de mes films. Voilà, donc je vous remercie. Alors ce soir, vous allez voir un film qui s'appelle Finalement. Et finalement, c'est vrai que j'ai essayé depuis tant d'années de filmer à chaque fois mon intime conviction. Voilà, vous allez comprendre pourquoi l'intime conviction. Vous savez, l'intime conviction, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez chacun d'entre nous. C'est ce qui reste quand on a tout entendu, tout vu, écouté tous les discours. À un moment donné, on se dit... mon intime conviction me pousse vers ci ou ça. Et l'intime conviction, c'est quoi? C'est le mariage incroyable entre le rationnel et l'irrationnel. Notre rationnel nous dit qu'on est mortel,
Il nous dit qu'on a le sens des affaires, qu'il faut faire la fin du mois. Il nous fait peur, il nous explique tout ce qui ne va pas. Et puis on a une part d'irrationnel qui nous dit qu'on est là pour toujours, qu'on est éternel. Et cette part d'irrationnel, c'est notre inconscient. C'est ce qui reste de toutes les vies qu'on a passées. Et donc, cette dualité est au cœur de tous mes films. J'adore cette rivalité qu'il y a chez chacun d'entre nous entre ce part rationnel et irrationnel. Et qu'est-ce qui parle le mieux à notre irrationnel, à notre inconscient? C'est la musique. C'est pour ça qu'il y a tant de musique dans tous mes films, et dans celui-là en particulier. Voilà. Donc je ne vous en dis pas trop, je vous laisse les surprises, vous allez voir, mais en tous les cas, la belle surprise pour moi, après avoir tourné avec Jean-Louis Trintignant, Belmondo, Lino Ventura, Jacques Brel, si je vous fais la liste, on y sera encore demain, et je ne pensais pas qu'on pouvait encore m'épater. Il a réussi à m'épater. Voilà. Moi, oui. Moi. Merci beaucoup. Moi, quand vous entendez ça, vous imaginez que ça me fait toujours passer. Ah bah, tu vois, j'ai plus le droit de parler, je crois. Que... Un, deux. Je préfère celui-là. Je parle des... Non, mais moi, j'avais un rêve dans ma vie de comédien, d'acteur, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices dans le monde, j'imagine, parce qu'il est connu dans le monde entier, Claude Lelouch. Et... Excusez-moi, l'autre fois, il me dit « Ah tiens, je pars à Washington, il y a Joe Biden qui m'a invité à son anniversaire parce qu'on s'est rencontré avec ma femme sur Un homme et une femme. » C'est vrai. C'est un exemple, hein. Il y en a plein comme ça. Pendant tout le film, il m'a raconté sa vie, ses histoires, son lien avec les Martin Scorsese, Stanley Kubrick, enfin tous les grands metteurs en scène. Et moi, j'avais ce rêve qui est toujours des rêves qu'on garde en soi, qu'on n'ose pas trop dire. Je vais pas aller voir Claude, lui dire... Bonjour Claude, voilà. Donc j'ai eu la chance parce que le hasard m'a mis sur la route de Madame Claude Lelouch, Valérie Perrin. Vous connaissez Valérie Perrin, grande romancière. Vous avez le dernier Tata? Vous l'avez? Ça, je vérifie dans chaque salle, madame. C'est important. Et Valérie Perrin, je la croise dans un train le lendemain de mon mariage, dans un TGV, dans le même wagon, à la même heure. Déjà, ça fait beaucoup de coïncidences. Et je lui dis, à Valérie, je lui dis, voilà, moi, je rêve de tourner avec votre mari, je rêve de tourner avec Claude Lelouch. Elle l'a appelé tout de suite. Et comme il était en train de préparer son casting, et qu'il avait appelé tous les acteurs de France, moi, c'est vrai, je dis que la SNCF, c'est possible, finalement. Elle a appelé Claude, moi j'étais encore dans le train, et elle lui a dit, ah, je suis avec Cadmerad, fais le geste que tu fais à chaque fois. T'as fait quoi? J'y vais dans mon bureau, elle m'appelle. Il y a une marque, là, regardez, attention. Je suis avec Cadmerad dans un train et j'y... Voilà. C'est lui. Là, ça va commencer à marquer, là, tu sais. Et c'est vrai que je cherchais, vous allez voir le film, et il fallait que je trouve un acteur qui coche toutes les cases, parce que c'est un rôle multiple, c'est un rôle qui va vous faire voyager, qui va vous faire rêver. Qui va vous faire peur, voilà. Et donc il fallait que je trouve, et puis il fallait qu'il chante, il fallait qu'il joue de la trompette. Enfin, vous vous rendez compte, c'était énorme. Et quand elle m'a appelé, je me disais évidemment. Et en plus, j'avais très peur quand j'ai eu dit putain, c'est lui qui soit pris. Et il a eu la gentillesse de se libérer très vite. Voilà. Ah oui, mais ça c'est la moindre des choses, cher Claude. Enfin, c'est une région magnifique, et on dit pas ça dans toutes les régions. Quoique si on le dit dans toutes les régions, je crois. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est... j'ai tourné plein de séquences de La Belle Histoire ici, à Nîmes. Voilà, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Ouais. En tous les cas, c'est vrai qu'on est quand même très, très heureux. Vous savez, on est en train de faire un tour de France, et vous allez voir le film, c'est un film sur la France. C'est un hommage à la France, et donc, je suis parisien, je suis né à Paris, je suis un vrai Parigot, mais comme tous les Parisiens, je suis marié avec Paris. Mais ma maîtresse, c'est la France. Voilà. Surprenant, mais très intéressant. Et à la fin, très beau. Ah oui, tout à fait. C'est un film dont on se souviendra. Ah oui, tout à fait. Merci. Est-ce que le film vous a plu? Oui, tout à fait. Bon.
Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est les derniers moments quand il chante avec sa fille, qu'il retrouve cette fermière, c'est assez poignant. Voilà. C'est un peu émouvant, un peu bouleversant, et c'est vraiment deux très belles scènes.